failli mourir. L'eau. C'est parfait pour les... On saille ? Non, mais mon l'eau, c'était pour le début d'épisode. Ah, ok. Saille. Oh, putain, bah, du coup, je me suis retrouvé encerclé de lave, j'ai... Oh. Moi, je l'ai fait voir. Non, mais j'ai failli mourir. Bon, du coup, Pierre, t'es en X140, c'est ça ? Je suis en... Oh, ça y est, je suis... What ? What ? C'est nous qui sommes passés par là ? C'est... Oui, c'est Harry et Aston. Et du coup, j'arrive à maman, je reviens. Pierre, ça va direct à la... Pierre, la il faut que j'aille vers combien en Z ? Je suis en moins... Desneak un coup. Je desneak, regarde, tu devrais voir mon pseudo en regardant vers le bas. Vers le bas ? Je suis à moins 130, 60. Non mais j'ai même pas de torche donc. Moins 130, 60 ? Oui. En fait, Disney, c'est pas la manière la plus sûre du monde non plus. Putain, ma pioche a pété ! Je savais que ça allait arriver. Donne-moi tes coordonnées exactes. Moins 137, 125. T'es mauvais, je suis en train de ramasser toute la cobble derrière. 15. Ah bah c'est bon. Bon bah, je vais attendre, voilà. Tu m'as dit moins 137... 125. Regarde, je suis droit devant toi. 125 ? Ah oui, ok. Marche droit devant toi, marche droit devant toi. Ouais, du coup, marche bah oui, devant toi. T'entends du bois ? Non. T'entends marcher, Az. Et je bouge pas là. Putain, et je trouve pas d'or quoi, ça me saoule. Le seul truc que tu peux entendre, c'est les pick-up de drop derrière toi. Il me manque un d'or quoi. Un Doloris ? C'est dans Harry Potter. Ouais, non, on avait compris, mais comment dire. Attends, tu m'as dit combien ? Moins 137, 115 ? Ouais, 125. Ah, 125. J'ai entendu un truc tomber dans la lave. Ouais. C'est toi ? Non, c'est pas Pierre, t'inquiète. Ça aurait été drôle. Ouais, je t'entends une poser une torche. Pour swag. Attends. Bon. Tu sais que ça sert strictement à rien, ça. Non, mais si, j'en ai trop. Mais surtout, tu desneak. Putain, t'as du charbon, dis-moi que t'as du charbon. Oups, c'est moi. J'ai pas de charbon. Ok, il nous faut un d'or, mais. Vas-y, jette-moi mes fours dessus. Bah prends-les comme ça. Tiens, prends ça aussi. Alors, moi il me reste Fire Resistance, Strength 2. T'as un flacon vide sur toi ? Non. Je te l'ai filé. Par contre, je peux avoir la potion de Swiftness, mais ça servirait à rien. Ouais. Attends, bah écoute, on a... Je refais des pioches. Mais ça va être dur, hein, parce qu'ils sont vraiment solides. Ouais. Et on est en minorité, du coup. Comme ma planète. Ouais, elle est en minorité. Écoute, prendre par surprise, on n'a pas trop le choix, donc... Je suis très désappointé, oui. C'est être le désappointement. Ou la solution non. De faire un appât. Comment ça, tu veux que j'aille voir, c'est ça? Non, il y en a un qui se fait buter. Ils vont aller sur leur stuff et là tu les niques. Mais bon, c'est un peu chaud, hein, je dois t'avouer que. Bah surtout qu'ils sont trois en full games, donc oui ça. Oui, c'est un peu impossible. Voilà, c'est plus réaliste. Putain, j'ai plus de torches. Moi je suis vraiment trop dégoûté de ma mort, c'était une mort complètement à la con. Bah c'est normal, c'est toi. Tu veux voir mes particules? Tu bouges plus Harry? Non. T'es comme tétanisé par les ventes quoi. Oui, totalement. Bon, hé, au moins on aura expérimenté... Tu peux creuser pour chercher de l'or hein, si tu veux. On aura expérimenté la technique de... Dépôt sur l'invisibilité, c'est pas forcément. Putain, bah, ça a fait plutôt peur. Bien marché, mais c'est bon. T'aurais préféré quoi, que j'arrive avec une épée à la main?
Non, mais ça aurait pu être un ennemi. Il aussi aurait pensé à une potion d'invisibilité. Coucou les mobs. Ils sont même pas allés dans. Oh, y'a de l'or. Non, y'a pas d'or. C'est pas de l'or. Salut. On peut des sneak là de toute façon. Ouais. Ouais. Vous êtes trop des malades, des filles. Oh, putain, un creeper au-dessus, il va tomber sur moi, je le sens. T'as de l'or? Ouais. Deux. Il m'en manque qu'un. Ah bah c'est bon. Donc je veux bien. Putain. T'as sprinté devant moi, mec, mais tu me fais flipper. Ah, c'est vrai que les particules, ça se montre. Tu suis trop prêt, Az. Bah je vais pas me mettre à semblant qu'il fait youhou, c'est moi. Ouais, mais ça peut être troublant. Merde, t'as un seau d'eau? Quoi? Ça peut être troublant? J'ai que dalle, mec. J'ai à part du bonne mille, j'ai rien. Si tu veux, il y a plein de lave à côté. J'entends de l'eau par là. C'est très Sicile la famille. Ça aurait pu être Harry la famille. Cool, de l'eau. Le mec, je veux de l'eau. Poum, oh, de l'eau. Putain, Harry, tu m'as fait peur. Cool, de l'eau. Pourquoi? J'ai vu ton pseudo, j'ai cru que c'était un ennemi. Pousse-toi, attends, je mine. Y'a que Harry qui a un pseudo aussi long, de toute façon. Putain, mais elle vient d'où cette eau? De la source. Ito. Après Ito, non, cette non, eau. Non, 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 non. Je vais me noyer. Pousse-toi. Et là, il est sérieux, histoire, un coup. Putain de. Ah oui, c'est vrai qu'il te reste 3 demi-cœurs en plus. Mais là je vais tous les blaser en prenant 2 potions de... Et blaze. Tu vois mon blaze? Tu veux voir mon blaze? Ah, j'ai enfin trouvé une sortie les gits. Les gits. Le gits. Les gits. La sortie les gits, tu vois. Le git, le goût. Tu ne tombes oh, pas. Oh putain, y'a un creeper qui a tombé. Fais gaffe. Il est où? Je sais pas, mais je l'ai entendu tomber. Message de mort, 3, 2, 1... Ça va? Oh, y'a une torche par là. C'est moi qui l'ai posé. Ok. Tu peux pas dire que je suis de près, je suis super. Ah, ouais, j'ai ma source. Ah, on va s'en sortir. Ouf, un petit peu la famille. Mec, il y a des réactions comme ça, tu sais pas trop pourquoi. En plus, comme tu dis, ouf. Mais au pire, un petit peu la famille. Au pire, Pierre, tu prends un seau de lave et tu mets dans le four, hein. Au pire, Pierre. C'est pas bête. Et pourquoi t'as même pas de charbon? Attends, fais gaffe, je creuse en dessous. Rien, ça, il le dit 10 minutes peu avant. Cher. On peut pas. Non mais si, t'as une descente pas loin. Tu veux voir ma descente? c'est indécente. Ah. Bah voilà, tu vois. Tu vois. Chauffe. Hey, tu vois mon fils, hein? Pardon. Alors, on a des encoirts de potions. Ça, c'était vraiment très raciste. C'est normal en Russie. Oh putain. On a de quoi refaire des potions d'invisibilité, mais j'ai pas assez de flacons. Bon, c'est pas grave, on va en faire que deux. Attention, Harry, n'aie pas peur. Oh, j'ai eu peur. YOLO, bitches. Ah, tu peux pas. Non, je m'étais mute. Putain, mais ça fait que 10 minutes qu'on a commencé l'épisode 6, mais bordel, ça passe vraiment trop lentement. Et on va se faire buter. Ça passera plus vite. Pourquoi? Donneur tes coordonnées, ça passera plus vite. Et Pierre, tu devrais sneak, t'es trop un yoloïste. Mais pourquoi ils sont là? J'ai rien compris. Non, c'est juste que vous êtes trop de yoloïstes. Comme moi, et puis moi, ça, j'ai fini à la. En 42 mois, 69. J'aurais mis dans l'autre sens, ça aurait plus de sens. On est en 13. Oui, mais dans l'autre sens, c'était plus proche de nos coordonnées, donc je pouvais pas donner. Attends, je regarde juste s'ils y croient ou pas. S'ils y croient. S'ils y croient. C'est une blague. Quoi? Qu'est-ce que... Elle est trop drôle. Vas-y, dis. Quand... Merde, on a pas d'œil d'araignée. Ça tente d'aller buter une araignée? Est-ce que j'ai le choix? Non, attends, là, vers la droite, parce que. Quand ton zizi grandit, ton zizi croit.
Quoi? Votre contexte précédent, bon, je suis un peu. C'est ça le plus beau. J'avais dit, le pire serait qu'ils y croient. Puis quand on s'y grandit, le zizi. Ah, je suis revenu là, coucou Pierre. Oh, ça va mieux, mec. Ouh. Ah, oui, pas mal. T'as bu quoi là? Potion de santé. Deux? Ouais. Particules de sprint. Un petit peu, c'est la famille. Particules de sprint. T'as fait des conneries. Particules, tu perds ton sang-froid. Ok, c'est lui. Bon, une araignée, s'il vous plaît. Petit. Les os, ils doivent nous chercher depuis 10 minutes. Coucou, là. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gaillé, tout petit poney. Petit poney. Petit bain. Ça va, Rick. C'était quoi ça? C'est moi, t'inquiète. Pas eu de dégâts? Non. Beaucoup de dégâts? Pas mal de dégâts. Oh, bon, archer. 2 minutes du peuple. Deux minutes du peuple. T'as perdu du non, fil. C'est bon. What? J'ai quoi faire des. Oh putain! Pierre, tire-le! Ouh. Vous êtes de retour à la base? Non. Pas un. Oh putain! Oh salope! Oh, tu l'as vu sinon ou quoi? Oh, bon, on se casse. C'était quoi? Vous avez vu quoi? J'ai un creeper qui fait un oh putain synchronisé, c'était J'ai un creeper qui m'est tombé devant moi, je lui ai donné un coup de poing et du coup il a pété dans l'eau, il m'a fait aucun dégât. Oh, ils sont derrière, on est dans la merde! Casse-toi! Vous avez dit de sneak! Et putain, y'a un creeper! Je vais faire exploser par le creeper! Eh vite, montez des blocs de cobble, je sais pas. Non, fais pas le gars. Passe. Oh merde, y'a la lave derrière. Non! Mais Harry, fais pas ça, dans la lave. T'es pas encore marré, mais fais pas ça, ils vont encore te shooter. Oh putain. Harry 5, Harry 2. Harry 2. Bois ça, Harry. Bute-le! Oui! Celui qui était pas Indian, prends des stuff Indian, Spear! Zerith! Ah Harry, je crois en toi! Harry, la lave derrière toi. Tu crois en moi, t'es sérieux? Oh putain! Oh la fin épique! Ouais, c'était GG, je m'en fous, j'en ai eu un! Bah non, c'est moi qui en ai eu un! Non, c'est moi! C'est toi qui l'as eu? Ouais, c'est toi qui l'as eu, GG! J'ai eu un play! Wouh! Je peux mourir en paix, les mecs! Ouais, bon, t'as fait le mode du coup. Ils sont là. Allez, voilà. Oh putain! On l'a pas vu venir à la fin. Oh, eh bien joué les potions d'invisibilité. Franchement, ouais. Comment t'es mort, Foxy? À cause de la lave et un bec d'eau. En fait, il y avait un bloc d'eau qui était pas. Qui coulait pas, et en fait, en posant un bloc à côté, elle m'a poussé dans la lave. Ah fuck! Ah putain! Truc tout con. Et toi, la lave? Bien joué, les gars. La lave? Ah, putain. J'étais dans le Nether. Et je leur ai dit de pas venir dans le Nether. Ils viennent tous dans le Nether et Az, ils tombent dans la lave. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé non plus. Ce qui s'est passé, alors ma version, j'avais gagné glorieusement 22 levels d'XP lorsque soudainement une source de lave est apparue devant moi. Et je n'ai pas un slack de lave surtout. Au lieu de jeter tous les trucs importants, j'ai jeté un diamant devant moi. Sérieux. En fait, il a voulu se faire un chemin à travers la lave et la lave a coulé vers lui et ce con, il a dit oh la lave, câlin. Mais non, mais voilà. J'ai pas dit ça, ça a lagué. Puis au début la lave elle avançait pas, je passais. Puis j'aurais dû sprinter en fait, mais puis c'est pas passé. Mais vous avez pas arrêté de camper? Ouais, bah en fait on vous attendait. Comment vous avez fait pour trouver autant de diams? On a trouvé 6 diams nous, dans toute la partie. On a trouvé que du diams. On a été cocu. C'est incroyable. Franchement, une cinquantaine facile.
Bon, en fait, c'est pas compliqué, on l'a trouvé tout le temps. C'était impressionnant. J'appelle ma femme. Mais les potions d'invisibilité, on a merdé un peu dans la poursuite et. Ouais, on a vu ça. On aurait pas dû les prendre avant de sortir en fait. Ouais. C'était super bien joué quand même. Franchement, c'était super bien joué. Mais bon, on se dit, on se l'attente et puis bon. Après, c'était mort avec Harry. Là, c'était mort. Et moi, je suis super dégoûté. Ah merci Pierre, merci. Avec Harry, c'était mort. Non mais, on était en mauvaise posture, Harry. C'est pas ce que je voulais dire. Hey, je suis resté le dernier survivant. Ouais, mais Harry, qu'on leur monte la base ou pas? Tu butais, hein. Tu mettais un dernier coup et tu m'en. Oui, bah attends, c'est un chef-d'œuvre, faut montrer. Oui, il faut que vous. Attendez, ah oui, notre base. Oui, c'est moi. Je vais TP tout le monde. Putain, merde, je me suis TP sur oui, c'est moi. Par contre, il faut mettre en game mode. J'y vais, je me reconnais, vous pouvez me TP? Oui, reconnais-moi tous. En fait, pendant un moment, pendant que Pierre était en train de se balader dans le Nether, je me suis un peu emmerdé dans la base, donc j'ai fait un peu la déco. Ouais. Vas-y, TP moi. On s'est douté, on savait que c'était votre objectif. Voilà. Ah, c'était pas un objectif, c'est juste qu'à un moment on s'est dit, tiens, si on allait dans le Nether. On était un peu dans la merde à un moment, on avait pas beaucoup d'or, on avait quasiment pas de diams, donc j'ai dit, on va faire des potions. T'as utilisé ton quota de chance pour ça a bien marché. Patrick. Ah ouais, non, là par contre, entre les creepers qui sont tombés devant moi, à un moment on était dans une caverne, j'ai jamais vu autant d'archers, j'ai dû en tuer une quinzaine, il y avait aucun zombie, il y avait que des archers. Ah ouais. Et puis dans le Nether, à un moment, dans une forteresse, dans un virage, pile quand je tourne la tête, il y a un Wither qui était là, et boum, qui me touche. Ah putain, ouais. Tu regarderas notre épisode 2 et 3, on s'est fait 50 diamants, c'était juste abusé. On le dit, hein, c'est abusé, franchement, on était cocu. Dès le premier épisode. C'était n'importe quoi. Comment vous avez fait pour nous trouver sur le dernier épisode? Là, le dernier, j'étais dans l'église, village de PNJ. Puis je dis, ouais, mais les gars, on va pas rester, on va creuser quand même un peu pour aller voir où on les trouve. Donc, je creuse, je tombe dans la grande faille qui était là. Ah, la faille qui était, ouais, à côté. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais on a trouvé votre faille. Vous avez vu cette maison? Ah, c'est joli. C'est beau, hein. Chez nous aussi, on a vu qu'il y a fait des petites pancartes. On en a vu. On s'est bien marré, en tout cas. Ouais, non, la fin était bien fun, surtout. Belle partie. Belle ouais, c'était super, vous avez bien joué avec les potions, j'étais impressionné, le potion d'invisibilité, je m'y attendais pas du tout, quoi, c'était énorme. Vous aviez quoi comme enchant sur les épées? Sharpness 1. Ah ouais, d'accord, ouais, non, mais le problème quand t'es en invisible, ça quitte tout double, parce que du coup t'es obligé de te foutre à poil, et en deux coups d'épée, vous m'avez enlevé 9 cœurs. Ouais, avec deux coups. Moi, vous m'avez tout shot, je sais plus qui m'a tué, mais il m'a tout shot. C'est RW16, voilà. On était full diable sans plus en armure. Hein. Si tu veux savoir, j'ai tué tout le monde. Ok. C'est vrai. Et je t'avais présenté comme le tueur de Patrick en plus, tu vois. J'ai Ouais. Bah GG en tout cas, très belle partie. Ouais, merci pour l'arc Power 2. Hein. C'est grâce à lui que je vous ai tué. Ah ouais. Ah ouais. Non, on avait du bon matos aussi. Vous avez looté les potions de force sur moi quand vous m'avez buté. Ouais, bah je l'ai encore, regarde. Ah ouais. Il y avait force, speed et peut-être résistance au feu. Résistance au feu. On a tout fait comme potion à part. Et là j'ai fortune. Yeah, j'ai tué Highplay. Et par contre, c'est moi qui ai tué Highplay et je suis fier parce que. C'est vrai que c'est toi qui l'as tué. Ouais, c'est moi qui. Bien joué. Non, alors j'ai volé mais la pierre en fait. Mais la fin, c'était quand même grosse panique à la fin, quand on les a vus arriver derrière. C'était totalement inattendu en plus. Quand il m'a dit oh putain cours ils sont là, j'ai fait quoi cours, c'est un cul-de-sac. Vous auriez dû monter avec des blocs de cobble à ce moment-là. Non, il n'y avait pas le temps, il fallait. Ouais, là c'était. C'était le combat scénic. C'est qui tombé dans la lave? C'est moi. Disconnected de la serveur et de l'eau. D'accord. Mais non, mais à la fin, au dernier. C'est moi. T'avais les potions de résistance feu? Ouais, pas eu le temps de le. Non. Ah non, je t'en ai pas filé, t'es le seul à qui je t'en ai pas. Alors attends, je t'explique la fin. Je tombe dans la lave, je me rattrape, je vais dans l'eau. Il me reste 2 cœurs, si je dis pas trop de conneries. 2 ou 3 cœurs. Donc je vais à côté de Pierre. Pierre fait son mur. Et Pierre me dit, tiens, bois ça. Je chope la truc de instant elf. Je la bois. Et ensuite, Pierre se fait tuer. Et puis voilà. Enfin, je me tue aussi. Mais la fin c'était beau quoi, parce que on savait pas du tout quoi faire, on savait qu'on allait mourir, tu vois. C'était inévitable, on savait juste pas comment.
Bah, sinon, quand vous voulez la revanche, hein. Oh, il oui. Ça marche. Bah, écoute, pour la façon, pour la saison 3 de Kills the Patrick, on vous invitera. Et par contre, ça sera des teams de 3. On avait envisagé ouais. plutôt des teams de 3. Ouais. Mais les teams aléatoires ou faites à la Alors, Asnet, t'es out parce que t'es tombé dans la nerf. Et Asnet, t'es out aussi. C'est Asnet qui nous a bouffé toutes nos pommes. Et si on vient avec une deuxième équipe, c'est bon ? Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Même si on avait une deuxième équipe. On amène 20 équipes. Y a pas de soucis. On en discutera de tout ça. Okay. Et... Ouais, mais je vous en reparlerai. Et ce ne sera pas des équipes random pour la première. Par contre, après, on fera sûrement des équipes random pour d'autres saisons. Okay. On a le droit d'enregistrer ça encore ou c'est top secret défense ? Non, c'est pas top secret. Là, je suis en train d'enregistrer, donc de toute façon. Donc... Okay. On en reparlera. Bon, ben sur ce. Montage. Sur ce. Eh ben merci ça, les gars. Ça fait 3 ans de match. Belle partie, honnêtement. Vraiment. Et puis on se tient au courant plaisir, tout ça. Là, c'était bon. Yeah, ok. Ouais. Allez, merci les gars, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Ah, Sniffer! Je vais y aller.
Je m'en ai une de reconnaître, genre, je mets des sens de l'un des mêmes. Moi non. Sens de l'un des sens de l'un des mêmes. C'est un peu de mon règlement. Voilà, il fait ça, mais bien, moi. Si, le gars d'autre, c'est vous que j'ai soin. Il y a mon garage. Ah non, c'est au poubelle. Si, le gars d'autre, c'est qui te sert du strike, mais. Steve, je pense que c'est un bar qui est strike là. Ah, gros. Steve, je pense que c'est un bar qui est strike là. Non, l'autre, non, mais ça passe là dans le M6, là, je me sens qu'un autre nuit, mais c'est de face à match. C'est du métal, j'ai. C'est bon, Ok, non, peut-être moi, quand on descend, on a des doués d'ours, non, mais je suis en mer.
Vas-y, l'air du Mon âge lourd, t'as pas